Bonjour, je m'appelle Karina et je suis instructrice de yoga au Sepsan. Et aujourd'hui, je t'invite à faire une belle pratique de yoga avec moi. Tu vas avoir besoin juste d'un tapis, une bouteille d'eau pour t'hydrater et on va se concentrer à l'équilibre. Si tu es prêt, bonne pratique. Je t'invite à t'asseoir de la posture confortable de ton choix. Mais peu importe la posture assise que tu choisis, tu vas t'assurer d'aligner tes oreilles, tes épaules et tes hanches. Tu vas imaginer un fil d'or qui sort du sommet de la tête et tu te fais tirer par le haut. Tu vas fermer les yeux. Ferme les yeux pour un moment et connecte avec ta respiration. En conscience, gonfle les hanches, les ventres, ta poitrine, et tes poumons prennent toute la place dans ta cage thoraxique. À l'expire, tu vas enfoncer le nombril vers ta colonne lentement. Laisse couler les épaules vers les hanches et les hanches vers le sol. Continue ton rythme, mais à chaque fois ta respiration devient plus lente et profonde. Et en même temps, tu te prépares pour ta pratique. Et mentalement, tu vas te répéter. Je me prépare pour une pratique sans attente, sans jugement, sans violence. Ou surtout, tu vas écouter ton corps et vivre dans les moments présents. Ici, maintenant. N'hésite pas à venir en position de l'enfant ou la posture de ton choix. Si jamais tu vois que ta respiration n'est pas fluide, qu'elle devient saccadée, tu vas prendre une option. Je vais t'accompagner et je vais te donner aussi des options. Tranquillement, ensemble, on va ouvrir les yeux. Tu vas soulever les mains vers le ciel. Tu vas entrélacer les doigts, pousser les paumes des mains vers le haut. Et tu vas venir attraper ton cou droit. Et tu vas déposer ta main droite dans ton omoplate. Entrelacer les omoplate. Inspire profond, remplis tes poumons. Et à l'expire, tu vas te pencher vers la gauche. Inspire de nouveau et à l'expire, tu déposes ta main gauche au sol et tu vas allonger ta main droite. Tu vas marcher avec ta main gauche vers la gauche, tu regardes vers le haut, tu vas presser le sol avec ta hanche droite. Et tranquillement, on revient et de nouveau, inspire, soulève les mains vers le ciel, entrelace les doigts, pousse les paumes de main vers le haut. Et tu vas venir attraper ton coude gauche. Dépose ta main gauche entre tes omoplates. Inspire profond. À l'expire, on se penche vers la droite. Et prochain expire, dépose ta main droite au sol. Allonge ton bras gauche et marche avec ta main vers la droite. Et presse le sol cette fois-ci avec ta hanche gauche. Regarde vers le haut, ouvre ta cage thoraxique, ouvre ton épaule. Et respire profond. Connecte toujours avec ta respiration, les 20 secondes, les hanches, la poitrine. Et tranquillement, tu vas venir déposer tes mains au sol. On va venir dans la table, position de la table. Les mains au sol, les genoux au sol et les orteils actifs. Assure-toi de bien aligner tes poignets avec tes épaules, la tête alignée avec ta colonne vertébrale, les orteils actifs et les abdominaux contractés, les bouts de nez pointés vers le sol. Et à l'inspire, tu vas soulever le regard, tu vas creuser ton dos. Et à l'expire, tu vas venir presser le menton vers ta poitrine et tu vas arrondir ton dos. De nouveau, inspire, essaye de regarder le sommet de ta tête. Expire et presse le sol avec les mains, avec les doigts écartés. Dernière reprise. Inspire profond. Étire au maximum la peau de ton cou pour stimuler ta glande thyroïde. Et à l'expire, viens presser les mains. Reviens dans la position de la table, dans les 4 points d'ancrage. Tu vas allonger ta main droite et les pieds gauche. En gardant les hanches et les épaules face au sol. Abdos bien contractés et regarde vers le bas.
Regarde le sol. Douze autres respirations profondes dans la posture. On est déjà dans les équilibres. Les équilibres qui travaillent ta concentration et la confiance en toi. Tranquillement, dépose la main, dépose les genoux au sol et chante. Tu vas allonger cette fois-ci les bras gauche et la jambe droite. Même chose que tout à l'heure, tes abdominaux sont bien contractés. Assure-toi que tes hanches et tes épaules sont face au sol. Ta tête bien alignée avec ta colonne vertébrale. Dernière respiration profonde. À l'expire, dépose la main au sol, dépose les genoux au sol. Et tranquillement, tu vas avancer tes mains. Et tu vas ramener tes épaules sur tes poignets. Les coudes se regardent à l'intérieur. Les abdominaux se contractent. Tu déposes les pieds au sol et tu es déjà dans la demi-planche. Les abdominaux sont bien contractés et tu vas créer l'espace entre tes épaules et tes oreilles. Respire profond, profond. Expire profond par le nez. Tu vas engager tes orteils. Tu vas soulever tes hanches vers le ciel pour venir dans un chien tête en bas. Assure-toi de bien aligner ta tête avec la colonne, d'enfoncer le nombril vers ta colonne. Les coudes se regardent à l'intérieur. Si pour aujourd'hui c'est trop, tu as le choix de fléchir légèrement les genoux et comme ça tu peux t'assurer que ta tête est bien alignée avec ta colonne vertébrale. Et peut-être tranquillement, tu marches ton chien, tu déposes un talon à la fois. Tu vas soulever les regards, tu vas regarder vers en avant et tu vas marcher vers tes mains. Pour te retrouver dans la flexion en avant, Uttanasana, tu presses les mains dans tes cuisses. Également, si tu as besoin de fléchir les genoux, tu fléchis les genoux, mais assure-toi que ta tête soit bien alignée avec ta colonne. Presse le sol avec les deux pieds et soulève les mains jusqu'au ciel. Expire. Prière. Ramène les mains devant ton cœur. Relâche tes épaules. Si tu le désires, ferme les yeux. Juste pour quelques secondes avant de commencer ta salutation au soleil. Si tu veux penser à ton intention, c'est le moment. Pense pourquoi tu as décidé aujourd'hui de faire du yoga avec moi. Quelle partie de ta vie a besoin de soutien? Et on se prépare pour notre salutation au soleil. Les mains devant le cœur, relâche les épaules, les coccyx en direction du sol et abdominaux bien contractés. Tranquillement, à l'inspire, tu vas soulever les mains vers le ciel. On va faire une salutation au soleil traditionnel. À l'expire, dépose les mains au sol, presse les mains dans les cuisses. Et à l'inspire, tu vas ramener ta jambe droite vers l'arrière. Et à l'expire, dépose les genoux au sol. Dépose les pieds au sol et soulève ta poitrine. Si pour aujourd'hui c'est trop de déposer les mains au sol, tu peux simplement déposer les mains sur ton genou et ouvrir ta hanche. Inspire dans ta hanche et à l'expire, tu vas venir dans son demi-planche, comme tout à l'heure. Aligne tes épaules avec les poignets. Prends le temps de contracter tes abdominaux. Pour descendre, tu vas activer les orteils, tu vas déposer la poitrine, le menton au sol et tu vas garder les hanches soulevées. Les coudes près de ton corps, descend, menton et poitrine au sol. Glisse en avant, roule tes épaules, cobra, soulève la poitrine vers le ciel. Expire, chien tête en bas. Au prochain inspire, tu soulèves ta jambe droite. Et tu viens déposer ton pied en avant entre les mains. S'il faut prendre le temps d'amener ton pied en avant, tu prends le temps. Juste
tout à saut, d'avoir un angle de 90 degrés dans ton genou en avant. Dépose les mains au sol ou sur ton genou de ton choix. Inspire profond, expire profond. Et prochain inspire, tu amènes ton pied gauche en avant. Expire, Uttanasana. Presse le sol avec les pieds, soulève les mains jusqu'au ciel. Expire, prière. Et on enchaîne pour les côtés gauche. De nouveau à l'inspire, soulève les mains. Peut-être que cette fois-ci, tu entrelaces les doigts. Kalimutra, Hasta Uttanasana. Expire, dépose les mains au sol. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va aller loin vers l'arrière. À l'expire, dépose les genoux au sol. Tu peux le faire comme tout à l'heure. Ou peut-être que cette fois-ci, soulève les mains, Kalimutra, croissant de lune. Abandonne ta cuisse dans ton mollet en avant. Et à l'expire, dépose les mains au sol. Et peut-être que cette fois-ci, tu viens dans son planche complet. Ou demi-planche, comme tout à l'heure. Et respire profond. À l'expire, avance un petit peu en avant. Et descend Chaturanga. Cobra. Adho Mukha Svasana. Chintetamba. Et au prochain inspire, c'est ta jambe gauche qui se soulève. Et à l'expire, tu viens déposer ton pied entre les mains. Même chose, si tu as besoin d'aider ton pied, tu vas aider ton pied. Et à l'expire, dépose les genoux au sol. Peut-être croissant de lune. Expire, dépose les mains au sol. Et à l'inspire, amène ton pied droit en avant, entre les mains. Expire, Uttanasana. Presse le sol avec les pieds, soulève les mains vers le ciel. Expire, prière. Et prends le temps de ralentir. Prends le temps de savourer chaque mouvement. Ah. Si tu as besoin de t'hydrater, de prendre de l'eau avant de commencer notre séquence de flow, n'hésite pas à venir à prendre une petite gorgée. Prends ton temps. Oh. Alors aujourd'hui, on va travailler les équilibres. Et je t'invite à rire. Si tu tombes, tu vas rire. C'est pas grave. C'est comme tout dans la vie. On tombe, on se lève et on recommence. N'est-ce pas? C'est ça qu'on va faire. Alors, je t'invite à te déposer en avant de ton tapis. Tu vas ramener les mains devant ton corps. Tu vas contracter les abdominaux. Coccyx vers le sol. Tu vas presser le sol avec ton pied gauche. Tu vas soulever ton genou droit. Abdos contractés, c'est la clé pour l'équilibre. Tu vas venir déposer ta main gauche sur ton genou droit. Et peut-être tu vas pivoter ton corps vers la droite. Si tout va bien, si ta respiration est fluide, tu vas allonger ton bras droit vers l'arrière et regarder peut-être ta main à l'arrière. Et tranquillement, tu vas revenir en avant. Regarde la jambe soulevée. Et tu vas venir ramener ta jambe droite vers l'arrière. Tu vas déposer ton pied en arrière en petit pas. En gardant les deux pieds devant, en face de ton tapis. Tu vas venir entrelacer les doigts à l'arrière de ta tête. Tu vas ouvrir tes côtes. Tu vas creuser ton dos légèrement. Tu vas soulever les regards et connecter les corps jusqu'au ciel. Tranquillement, soulève les bras. Ramène de nouveau les mains devant ton corps. Engage les abdominaux. Soulève ton genou droit. Et à l'expire, tu vas venir dans son guerrière 3. Pousse ton talon droit vers l'arrière. Garde les
les hanches face au sol, les épaules face au sol. Si pour aujourd'hui c'est trop, ou si tu peux faire en avion, allonger les bras. Si tu vas bien, tu restes dans ton bien froid. Tu vas déposer loin en arrière ton pied droit pour en guerrier 1. Inspire dans les guerriers 1. Engage les abdominaux et de nouveau tu vas venir dans ton guerrier. Yes. Ça prend la concentration. N'oublie pas, si tout tombe, tout est l'air et tout recommence. De nouveau, dépose ton pied en arrière. Cette fois-ci, soulève les mains vers le ciel. Et à l'expire, dépose les mains au sol. Viens dans la planche. Inspire dans la planche ou demi-planche. Les deux options sont bonnes. Tombez ligne droite avec les cœurs. Presse le sol avec ta main gauche. Soulève ta main droite vers le ciel. Prends planche latérale. Si tu as besoin d'une option, dépose les genoux au sol. Les deux options sont parfaites. Juste écoute un peu. Tu vas venir déposer ton pied droit à l'arrière de ton genou. Allonger ton bras vers l'arrière pour que ton chin mudra. Et pivoter le corps vers le ciel. Engage les planches et bien les abdominaux. Et soulève les hanches vers lui. À l'expire, dépose la main au sol. Fais bien dans la planche ou demi-planche. Avance légèrement vers en avant et descend Chaturanga. Cobra. Chien de Tamba. Prochaine inspire, tu vas soulever ta jambe droite. Et à l'expire, dépose ton pied en avant entre les mains et dépose le genou gauche. Dépose les pieds au sol. On se redresse. Tu vas ouvrir les bras. Et tu vas creuser légèrement les dos. Inspire profond. Et à l'expire par la bouche, les mains vers en avant. De nouveau. Expire. Dernière fois. Et cette fois-ci, dépose les mains au sol. À l'inspire, ton pied gauche vient en avant. Uttanasana. Inspire, soulève les mains vers le ciel. Expire, prière. Et on va faire les côtés gauches. Même posture. Et même devant le cœur. Tu vas presser le sol cette fois-ci avec ton pied gauche et tu vas soulever, non, avec le pied droit et soulever le genou gauche. En 90 degrés, abdos contractés, respiration fluide, les hanches se gonflent devant la poitrine et à l'expire, peut-être en torsion. On va ta main en arrière ou simplement en avant. Toutes les options seulement. Tranquillement reviens devant. Tu vas ramener ton pied gauche en arrière. Dépose les pieds juste un petit pas, pas trop loin. Allonge bien les deux jambes. Soulève les mains vers le ciel, entrelace les doigts, ouvre tes côtes. Dépose les mains arrière de ta tête. Crosse ton dos. Soulève ta poitrine vers le haut. Soulève tes mains. Ramène de nouveau les mains devant ton corps. Soulève de nouveau les genoux gauche. Et à l'expire, attention, derrière 3. N'oublie pas l'option de l'avion. Les hanches face au sol, les épaules face au sol. À l'expire, guerrier 1. Les genoux en avant, 90 écrits. Et les genoux glissent vers ton douce orteil. Les orteils en arrière sont actifs.
Engage les abdominaux et on revient dans les guerriers. 3. Abdos contractés. Mental calme. Calme. C'est la clé aussi pour les équilibres. Et on dépose guerrier 1. Soulève les bras. Et à l'expire, dépose les mains au sol, viens dans la planche. Inspire dans la planche et à l'expire, presse le sol avec ta main droite et soulève les bras gauche vers le ciel. N'oublie pas l'option. Genou au sol. Peut-être que même avec les genoux au sol, tu peux ramener ton pied en arrière et pivoter ton corps vers le ciel. Ça, c'est ton choix 1. Ou avec les deux jambes allongées, ramène ton pied en arrière. Et puis voilà, soulève les hanches, abdos contractés. Tu reviens au centre dans la planche, belle ligne droite avec ton corps ou demi-planche. Tu avances et descends Chaturanga. Cobra. Chien tête en bas. Les coudes seront à l'intérieur. À l'inspire, soulève ta jambe gauche et viens déposer ton pied en avant entre les mains. Si tu as besoin de ton pied, et ton pied. Dépose ton genou droit au sol. Dépose ton pied. On se redresse. Ouvre les bras. Comme tout à l'heure, à l'expire par la bouche. Dernière fois, toutes les tensions sortent et dépose les mains au sol. Et à l'inspire, ton pied droit vient en avant, entre les mains. Uttanasana. Le sol avec les pieds, soulève les mains jusqu'au ciel. Expire. Prière. Prends le temps de ralentir et de déposer. Si tu gardes les yeux fermés au moment où savourer le moment présent au magnifique jour. Namaste.